voulait intégrer dans son prochain concept car du bois d'une manière pas seulement décorative, mais faire vraiment les pièces structurelles qui aient une vraie fonction dans la voiture. Moi, je suis convaincu que les voitures de l'avenir sont électriques. Et déjà, la Formule E montre qu'on peut faire une voiture performante, qui a un plaisir de conduire, qui est 100% électrique. On a voulu une silhouette entre guillemets GT, très très séduisante, qui fait référence à l'âge d'or de l'automobile des années 50-60. Mais néanmoins, dès qu'on commence à l'ouvrir, on est dans un intérieur complètement moderne et high-tech. Et en fait, l'espace qu'il y a sous le long capot a été utilisé, puisqu'on y a mis les bagages, on y a mis une partie des batteries. Donc il y a ce décalage entre une silhouette classique et un intérieur et une structure complètement moderne. Cette démarche de faire un projet ultime, sans contrainte, où il y a vraiment toutes nos envies dedans, est nécessaire et obligatoire si on veut faire des bons produits pour le public par la suite. Je m'appelle Chris Wag, je suis ingénieur responsable de la chaîne traction de la Formule E chez Renault. Le moteur du Trésor est issu de notre moteur, qui est double champion du monde avec Renault Idams. Pour trouver une façon de monter ce moteur sur leur voiture, ça implique de re-regarder l'architecture. La batterie de la Formule E, ça représente un poids important de 300 kg et il faut bien penser à comment c'est réparti dans la voiture et pour avoir un comportement en voiture qui semble cohérent. Conduire une voiture électrique, c'est tellement différent. Il y a tellement de couple à bas vitesse et en même temps, tu peux faire de haute vitesse sans problème. Donc en fait, il n'y a pas besoin de faire une haute vitesse. Et c'est beaucoup mieux pour la stabilité de la voiture, parce que ça coupe pas le couple. Donc lors du freinage, par exemple, il n'y a pas de passage rapport. Et donc c'est très très linéaire, c'est très progressif. Et donc pour le plaisir de conduire, ça fait du bien.